et rester là où il y a le doute, et la peur. Amen de Dieu. Seigneur, on choisit rester dans ces lieux. Mais moi, mon désir, Oh,
Honneur à ton nom, Seigneur. Avez-vous cogné toi en qualité d'un bon père? Tu as un message pour tes enfants. Et depuis l'Antiquité, ce sont des personnes que tu utilises. Et tu as jugé encore utiliser les moins. Oh, Kaya, Yehovah,
Jesus.
Let's go.
Son de carochi, son de carochi, son de carochi, son de carochi.
L'esprit de persécution qui a l'habitude de suivre certains là où les gens trouvent le bonheur. Quand toi tu arrives là, tu ne recevras rien comme bonheur. Depuis le mardi, Dieu utilise son serviteur. Mais presque, puisque toi tu es toujours persécuté, tu n'obtiens jamais la solution. Nous allons maintenant chasser ces esprits. Que cette nuit, quand l'homme de Dieu va prendre le micro, les esprits de persécution qui t'ont suivi, les gens vont recevoir le miracle cette nuit et toi tu n'en recevras pas. Que le feu consume ces esprits. Que tout le monde prie. Esprit de persécution qui t'a suivi jusqu'ici, que toi tu ne recevras rien. Si l'esprit a menti, toi cet esprit cette nuit, dans la louange, dans les témoignages, dans le message, la prédication, dans la prière, cette nuit, les esprits qui vont nous empêcher, que le feu les consume. Que tout le monde prie. Il y a des gens qui ne prient pas. N'abandonne pas ton esprit persécuteur de continuer par te suivre. Il doit te quitter cette nuit. Éternel, je ne quitterai pas bredouille le temple ce soir. Tu dois oindre ton serviteur. Et quand il va se lever cette nuit, quand il va prendre le micro, ma solution doit venir. Dis quelque chose à Dieu en ce moment. Et dis, ah, éternel, ce que je traverse, tu possèdes cette onction. Moins de cette huile à
ton serviteur. Et quand il va se lever cette nuit, que mes souffrances prennent fin. Prie à ce que cette onction descende sur lui. Que Dieu l'oigne. Cette nuit ne sera pas bredouille pour toi. Que éternel, oui, ton serviteur, je dois être délivré de ma souffrance cette nuit. Gloria Bayaka. Loma Suriandarabaya. Rakatarabasuke. Oriandarabasaka. Roma Sukarabayana. Cette nuit, ta situation changera dans la louange, dans les témoignages, dans la prédication et la prière. Dieu te fera une grande chose cette nuit. À travers l'homme de Dieu, les montagnes seront ôtées cette nuit. Oh, tu peux comprendre. Père céleste, nous te remercions. Parce que depuis hier, tu as débuté avec nous. Ce soir, nous sommes encore devant toi. Les puissances qui vont se réunir et qui vont envoyer quelqu'un qui sera parmi nous. Ou bien il y en a qui vont couper la rue à ceux qui sont en cours de route. Les esprits perturbateurs, nous invoquons le feu sur ces esprits. Les esprits qui seront parmi nous et qui s'opposent à la gloire de Dieu, que le feu du Saint-Esprit les balaye parmi nous. Jéhovah éternel,
utilise ton serviteur cette nuit afin de délivrer une femme de son amertume. Délivre un homme, un jeune homme et une jeune fille. Nous croyons en toi. Que tu es déjà parmi nous avant que nous te disions tout ça. Continue. Et jusqu'à la fin de la prière, l'honneur te reviendra. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici qu'on a Jésus. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Tu es béni cette nuit. Tu es béni. Le Seigneur Jésus t'a béni. Amen. Amen. Nous allons à présent louer notre Dieu. Nous allons inviter les chantres pour nous diriger. Et en même temps, on va nous présenter les troncs. Et dans la louange, nous allons apporter en même temps nos offrandes.